Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc on va pouvoir enfin construire notre rover moyen en espérant qu'il sera suffisant pour tracter le panneau solaire qu'on recherche hein. Je vous rappelle que c'est ça l'objectif pour l'instant en ce moment, c'est d'aller récupérer un panneau solaire qui est là-bas pour le tracter jusqu'à la maison. Il est là-bas, hein, je ne me trompe pas. Ah, oh, une tempête maintenant, je viens de commencer l'épisode. Non, non, je m'insurge. Je dis non. Non, non. Tu peux aller cordialement te faire entuber ailleurs. Donne-moi mon composite. Au passage. Non, 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 je m'insurge, tu ne vas pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. En plus, t'as l'air de passer vachement loin, hein, donc je vois pas pourquoi tu viendras m'emmerder. Là, il y a du composite là-bas. Je suis pas encore plein. À partir de ça, déjà c'est déjà pas mal. Oui, oui, j'ai bien vu. 25% d'oxygène. Waouh. Bon, en tout cas, on a un rover, ça c'est cool. La prochaine recherche donc qu'on a à faire, c'est le treuil. Treuil qui est excessivement important donc. Et nous voilà avec un rover qui n'a pas d'énergie. Ok, cool. Parce que j'ai pas pensé à rajouter à de l'organique ici et ici. D'ailleurs, organique, vos mamans. Voilà, c'est dit. Non, mais je rigole. Bien sûr que je rigole. Ah, ah, c'est pas le bon. Oh putain. C'est vraiment un objet de merde, espèce de petit générateur. Oui, c'est un petit générateur. Donc je l'insulte pas vraiment en disant ça. Quoi? Ah oui, c'est vrai, vous êtes très très court, vous. Il va falloir plus de recherche, chers amis. Il va me falloir plus de recherche. Et lui aussi, il va bientôt se terminer. Dans moins d'une minute, il va me falloir plus de recherche. Il va me falloir plus de recherche. Je pense qu'on va partir vers la lumière, là-bas. Je vais créer un peu plus de rallonge, tant pis. Hop. En tout cas, l'objectif que nous nous étions fixés, c'est-à-dire de... En plus, je peux partir avec le rover. Ah, mais il a pas d'énergie actuellement. Il a pas d'énergie. Je vais prendre un petit peu d'énergie solaire. Et même pas, même pas, même pas, même pas. Vu que c'est un petit rover, je ne vais pas prendre d'énergie solaire pour le moment. Ou alors, je multiplie son énergie. Hop, voilà. Tout simplement en multipliant le nombre de rovers. Peut-être ça ce qu'on va faire. C'est peut-être ça qu'on va faire, chers amis. Ok. Est-ce que j'ai pas encore un petit peu de composite sur moi? Ah, j'ai plus de composite sur moi. J'en ai un petit peu là normalement. Voilà. Multiplions le composite. C'est pas grave, on n'aura pas un truc full, mais pour moi ce n'est pas excessivement grave. Ça peut être pratique. Ah, t'es chiant à faire ça. Le binding, chers amis, le binding, hein, tout est là. Vous voyez, je peux pas tourner à gauche sans... Oh bah bien, je viens de creuser un trou dans ma base. Bien, Marcus. Putain, je peux vous jurer que ça me tue. C'est en train de me tuer à petit feu. Ok. 4. Hop, dès qu'on aura un petit peu de jour et qu'on aura un petit peu d'énergie,
Boum, le deuxième. Ok. Ça, c'est très très cool. Il nous faudrait le mieux qu'on pourrait trouver actuellement. Ce serait un tout petit peu de cuivre en plus. Par conséquent. On va essayer de partir dans une caverne. Mais non, elle est vraiment différente des autres. Hein. Ou alors ils ont aussi changé légèrement les cavernes à cause du changement d'éclairage. Ce serait tout simplement ça. Non, par contre, il y a quand même un gros manque de lumière. Là, je reconnais que là, chers amis, je vous aide pas à voir correctement. Hein. Il y aurait bien là-bas. Et pas là-bas. C'est un trou ou c'est un trou? Un trou est un trou. Faire croire que j'ai plus de... Merci. Ça c'est quoi là-bas là? Là-haut là? Ah. De la malachite, parfait. Du cuivre. Oh l'erreur! Oh l'erreur! Oh l'erreur de débutant! Oh l'erreur de débutant! Ne pas regarder où on met les pieds. Petit filou. Je sais pas si ça a marché ce que je voulais faire, mais... Ok. C'est bon, j'ai de la malachite. Je sais pas combien j'en ai. Hein? Je devrais en avoir plus que ça. Je devrais en avoir bien plus. 2, 3. Je devrais en avoir bien plus. J'ai dû en laisser tomber un paquet à mon avis. J'ai dû en laisser tomber un paquet. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'en fait toujours 3, ce qui fait que je pourrais alimenter en énergie solaire mon rover. L'erreur de débutant, quoi. Waouh. J'ai été très 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 mauvais. En plus, on n'a plus nos 4... Tu l'as pas alimenté. Vous l'alimentez pas en solaire du tout. Ok, cool. Bah écoutez, je vais aller faire fondre un petit peu de ferraille, hein, tant qu'à faire. Dommage qu'on n'ait pas eu un quatrième. Mais bon, c'est pas grave. Un panneau solaire. Je vais peut-être même en faire deux. Puisqu'il faut que je puisse alimenter à peu près tout ce que j'ai besoin d'alimenter. Pourquoi là-bas t'es pas alimenté du tout? Voilà, je préfère. C'est-à-dire, je te hais. Ça le mérite d'être clair. Ok, donc là c'est en train de recharger, ça c'est cool. Et ici, il m'en faudrait presque un troisième. Bah, vous voyez, 3 c'était le bon chiffre. 3 c'était le bon chiffre. Voilà.
Comme ça, tout recharge au fur et à mesure. Et apparemment, même, il envoie plus d'énergie encore au reste. Mais malgré qu'on soit qu'à 46. Parce que c'est vrai que les petits panneaux solaires ne rapportent strictement aucune énergie. J'avais complètement zappé ce détail. Alors que là, je viens de faire grimper le machin à un niveau exponentiel à tous les coups. Il me faudrait un en plus si ça te dérange pas, merci. Il faut que je le fasse avancer un petit peu, c'est ça? Parce que t'es trop près devant. Voilà, c'était sans doute ça. Allez, et de deux rovers. Et là, c'est la fête du slip. Et forcément, il se met à faire nuit, puis le moment où je fais ça. Allez. Hop. Parfait. Parfait, on est bon. Exactement ce que je voulais. On est à combien en termes d'octets? 1500, c'est ridicule. Il nous manque de la recherche, on va tomber en panne de recherche très bientôt. C'est donc une catastrophe. Je suis désolé, je vais la faire, tant pis, je vais perdre du temps, hein, c'est pas grave. Ça doit être là ou là, ou là. Je suis désolé, je préfère la faire et que vous y voyez quelque chose, parce que moi je n'y vois rien non plus maintenant. C'est dire à quel point vous ne devez rien y voir non plus. Lampe de travail du cuivre, génial, génial, génial. C'est pourquoi ça m'étonne pas. Avec un peu de bol, je vais trouver quelque chose d'autre intéressant là-dedans. Genre... J'allais par là, de toute façon je vais rien y voir pour le moment. Juste récupérer le petit bout de cuivre qui doit rester. Ouh, il y a de l'ennemi là-bas. J'avais même pas vu qu'il y avait une espèce de... Alors, est-ce que seulement il en reste? Parce que j'ai dit que j'allais en récupérer un petit peu, mais... S'il n'en reste pas... Je l'ai encore une fois profondément dans le fion. Et apparemment... Ok. Bon, très bien. Progressons, progressons, progressons. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Alors je vais reculer un petit peu tout ça, hein, je vais récupérer ça, ça, pour que nous puissions voir que c'est par là qu'il faut aller. Malgré qu'il y ait une quantité d'ennemis absolument incroyable dans la zone. Ok. Il restait encore un petit peu de... Et pas en quantité hallucinante, hein. J'ai bien nettoyé pour le coup. De la latérite, de l'aluminium, m'intéresse pas pour le moment. Par contre, dans ces trucs-là, souvent... Oh, les enfoirés! Alors souvent, si c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Mais là, c'était ni au-dessus, ni en dessous. Il y en a un juste à côté. Je suis désolé, on y voit que dalle, chers amis. Remarque, ça rend les choses un peu plus dangereuses même pour moi. Hein. Jackpot. Jackpot, 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 jackpot. Alors selon vous, pourquoi je fais ça? C'est pour récupérer toute l'énergie qu'il y a aux alentours, regardez. Voilà. Et la placer ensuite... Là, vous savez déjà où. Si vous avez suivi
Parce que cette énergie est un véritable boost, hein, par contre. Là, on peut le dire, c'est un véritable coup de pouce. Putain, non, glissez pas. Glissez pas. Merci. Alors, 3, c'est encore faisable. 4, on a pu voir la dernière fois que ça l'était pas. Merde. Si je clique à côté, par contre, on va pas y arriver. Ça va être une catastrophe. Ah, mais. Hop, on va y arriver. On va y arriver. Donc au moins on remonte avec ça. Ça c'est déjà cool. On va pas avoir complètement perdu notre temps. Oh, faisez pas les cons. Vu qu'on n'avait pas fini de charger nos rovers. Sachant que nos rovers ne peuvent pour l'instant transporter que 2. Outils de recherche. Mais bon, on pourra aussi faire parcourir déjà d'une de plus de distance. Et une fois aussi qu'on aura ramené ces trucs là, on pourra toujours faire des allers-retours quitte à avoir besoin. Ah, c'est génial, il va faire jour pile le moment où je vais arriver. Ce qui veut dire que tout va recharger. Mais qu'il va aussi être l'heure d'aller manger. Oh merde. Ok. C'est parti. Celui-là, il est parti. Celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le mettre avec son pote, qui est identique, ici. Ok. Tout a l'air chargé. Tout a l'air bon. Alors, juste pour... En guise d'information, 304 actuellement. C'est pas mal. C'est pas mal. On est à 1700. Faut espérer que ça continue un petit peu. Allez, hop, on y va. Crac. On va visiter un maximum d'arbres en fait, hein. C'est ça qu'on va faire. On va virer tout ce qu'il y a dans les arbres. Histoire d'être sûr en tout cas qu'aux alentours on ait bien nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. J'ai presque envie de regarder en dessous de ces trucs là, vérifier s'il n'y a pas quelque chose. J'ai peur que ce soit une perte de temps. Là-bas, au fond, il y en a un. Allez, bonhomme, tu peux le faire. Aïe, je suis poussé un petit peu dans tous les sens à cause du moindre petit caillou. Peut-être la seule chose qui me dérange, honnêtement. Là-bas, il y a encore une forme de... On va déjà pratiquement plus la base, c'est ça qui m'embête. Ah, attendez. Si je vais... Donc, la direction... La direction de la base est à l'est. La base est à l'est, clairement. Donc, la base est à l'est. La base est à l'est. La base est à l'est. Je le dis plus fort pour que je puisse le revoir si jamais je perds le truc. Notez-le dans les commentaires, la base est à l'est. Si vous êtes arrivé jusque là. Et c'est un autre panneau solaire. Oh putain. En termes d'énergie, c'est complètement pété. Chose. Hop. Voilà. Alors je sais pas si je peux récupérer celui-là et le mettre sur un bout. Non, je peux pas. J'ai déjà essayé. Je me rappelle. Normalement, je ne peux pas. La base est à l'est et l'est, c'est par là. En plus, on la voit encore un tout petit peu, la base, là. Je l'avais pas vue. Mais elle est encore légèrement visible. Et là, il y a encore un truc de... Waouh. Mais c'est pas encore un panneau solaire. Tu te moques de moi, là, c'est pas possible. Tu me colles des panneaux solaires partout. C'est quoi ces trucs rouges? Non, c'est rien en fait. C'est vite ça? Oh, hello? Bonjour? Apparemment non. Bon, c'est pas rempli de super choses. Un petit peu de titane, un petit peu d'alu.
Et un siège. Le siège m'intéresse pas pour l'instant. Aux alentours, il n'y a pas l'air d'y avoir encore une fois de pièces de recherche de débris. Sur ce côté-là, on a moins de chance. Mais bon, on n'a pas de raison de se plaindre. Honnêtement, on est plutôt bien fourni. Je vois qu'il y en a un à gauche aussi qui est assez différent de ceux que j'ai chopés. Mais bon, on va déjà commencer par ça. Ça en fait toujours deux de plus. On est pratiquement arrivé à la base. Qui continue à rechercher sauf sur un. Hein. Bon, c'est pas grave. Et la journée est déjà pratiquement finie par contre. C'est craqué. Hop. J'ai retrouvé un clone de celui-là d'ailleurs. Alors, celui-là il rapporte combien? Il rapporte 898, ce qui est très très cool. Et pas sur le. Et augmente avec le long terme. On va dire ça comme ça. Là, par contre, je n'ai pas chopé suffisamment de. Verdure. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille en choper un peu plus. Par contre, je suis full en termes de place, ce qui n'est pas bon. Un. Il en faudrait deux, ce serait cool. Oh, j'y suis presque. Allez, deux, parfait. On est bon. Donc on va pouvoir continuer à générer des octets, même de nuit. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je te jure que je te hais quand tu fais ça. En fait, le binding de cette page, du carnet, n'est pas fait. Et il n'existe pas dans le menu. C'est une catastrophe. Enfin bon, on s'en sort. On s'en sort, c'est tout ce qui compte. Nous sommes à 2144 octets. Ce qui veut dire que nous sommes plus ou moins à la moitié avant d'obtenir. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Ceci. Et ceci, ça va potentiellement être notre. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher parce que si ça ne marche pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça ne marche pas. En tout cas, les amis, moi je vais aller sauvegarder et je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!